Bonjour Thomas. Bonjour. Tu es responsable recherche et développement chez GFI pour le centre de compétences SAGE. C'est ça. Peux-tu nous présenter le centre de compétences SAGE? Le centre de compétences SAGE intègre l'ERP SAGE X3 depuis une vingtaine d'années et depuis le début essaye d'offrir des produits complémentaires à cette ERP, de développer des solutions verticales et des add-ons sur cette ERP. Que faites-vous au sein de l'équipe recherche et développement? L'équipe recherche et développement a été créé en 2009. C'est un souhait de la direction du centre de compétences SAGE pour pouvoir offrir des produits complémentaires à l'ERP X3 qui soient mieux industrialisés et pouvoir offrir plus de produits, pouvoir étoffer notre catalogue pour mieux répondre aux besoins de nos clients. Quels sont les produits qui sont développés? Alors, on développe toutes sortes de produits pour répondre à des problématiques dans le monde de la distribution, dans le monde de l'industrie, dans le monde du service. Un catalogue qui est assez large. C'est des produits qui sont soit intégrés à l'ERP X3, soit des solutions web ou des solutions de mobilité qui communiquent avec l'ERP X3 et dont vous pouvez trouver tout le détail sur le site internet www.gfi.fr/fr/infogène. Ton rôle au quotidien, c'est quoi? Alors, mon rôle au quotidien, c'est d'encadrer l'équipe qui travaille sur ces développements, c'est de piloter la conception de ces différents modules, c'est de coordonner la réalisation et l'industrialisation, et c'est également de communiquer en interne et en externe sur ces différents produits, mais aussi de m'assurer que les transferts de compétences auprès des équipes qui vont intervenir chez nos clients sont bien faits. Donc tu travailles pour GFI en relation avec SAGE, comment ça se passe? C'est ça, on essaye de travailler en étroite collaboration avec l'éditeur de différentes façons. On a notre module phare sur la gestion des activités de service qui est aujourd'hui intégré au catalogue de l'éditeur, donc qui peut être revendu et intégré dans le monde entier par tout l'écosystème SAGE X3. On participe également au programme Add-on, c'est un programme qui permet entre éditeurs de partager des fonctionnalités, de pouvoir revendre notre savoir-faire et qui soit intégré par d'autres intégrateurs. Et on essaye d'avoir une étroite collaboration avec les équipes produits de l'éditeur pour pouvoir travailler intelligemment. Pour finir, quelle est l'actualité du centre de compétences SAGE? Alors aujourd'hui, on travaille sur le développement de nouvelles fonctionnalités pour enrichir le produit, de nouvelles solutions métiers pour pouvoir mieux répondre aux besoins de nos clients. C'est des éléments sur lesquels on va diffuser de l'information d'ici peu, dans les prochains mois, et dont vous pourrez trouver toutes les informations sur les réseaux sociaux GFI, sur le site internet du centre de compétences SAGE et lors des différentes manifestations du centre de compétences SAGE. Ben, merci Thomas. De rien. À bientôt. À bientôt.